dire merci d'être venu à notre crémaillère, enfin à notre deuxième crémaillère, parce que la première, j'ai un peu dû l'annuler pour... Bref, voilà, merci. Enfin, ça nous évitera, comme la dernière fois, d'avoir 3 tonnes de bouffe à jeter. Et puis, bah, voilà, merci. Super discours. Ok, les gars, je fais quoi, là? Je force ou... Non, tu fais rien. Ça va passer. Ma confiance. Et toi, ça va avec Elliot? Bah, de ouf. C'est juste qu'il va pas très bien en ce moment et je peux rien faire, mais c'est mon mec et je l'aime. Putain. Non, mais c'est quoi ce van de ouf là? Tiens. Tu l'as trouvé où, mec? Ah, je l'ai trouvé sur un site de loc, un espèce de hippie là qui était hyper content de nous le lâcher. Ouais, faut, on a de la chance que tu l'aies pas acheté quand même. Mais sérieux. Je déconne. Mais ce serait cool, non? En vrai. Ouais, mais quand on aura 50 ans, qu'on sera mariés, et qu'on ira à Katmandou. Ça va, t'es une taille de gay. Il vous reste une place? Bah ouais. Ouais, bien sûr, viens. Bah viens. Bon, allez, donne ton sac. Et Yot. Merci. Ça va, mon amour? Oh putain, c'est quoi ce truc? C'est Fifi. On peut l'adopter? Non, s'il te plaît. Mais il va finir comme ton basilic, là, déshydraté. Mais non, mais lui, je m'en occuperai, promis. Non, Lucas. Non, Elliot, tu le reposes dans sa lépinière. Regarde-le. Ouais. Regarde-le dans les yeux. Ouais, je regarde. Dans les yeux. Ouais, dans les yeux. Maintenant, tu vas lui dire, Fifi, je ne veux pas de toi. Fifi. Eh ben, Fifi, je... Putain, je vais chier. Bienvenue à la maison, Fifi. Pour faire une très très bonne vinaigrette, faut pas mettre beaucoup de moutarde. Par contre, au niveau du poivre, alors ça, c'est ma grand-mère qui m'a appris, là, faut y aller. Non, c'est vrai, ça relève le goût. Et après, le plus important pour mélanger les deux, c'est quoi? Le coup de poignet. Un vrai pro, quoi. Ouais, des années d'entraînement sur du porno, même. On a bien cru qu'il allait devenir homosexuel. C'est... Ouais, c'est-à-dire? Non, mais vous me prenez pas, hein. J'adore les homosexuels, hein. Moi-même, quand j'étais jeune à l'armée... Boubou, c'est la vie quand elle dansait au bal du village. Alors... Un grand sourire... Elle est parfaite. Va avec tes amis, là, je vais prendre la photo. Ah bah trop cool, merci, monsieur. Faut juste que tu montres comment ça marche, ton bidule. Bah, vous avez juste à cadrer, normalement, et vous appuyez sur le petit bouton blanc. Sur le petit bouton. Voilà, il y a juste ça à faire. Ok, d'accord. Ça roule, hop. Alors. Les doigts, faut juste enlever le doigt. Ah oui. Comme ça. Ouais. Yes. C'est bon, papy, t'y arrives? Ben, je sais pas. C'est pas censé faire un bruit en flèche, ce machin? Ah non, ça prend tout seul, tout de suite. Ah ben, j'ai dû en prendre un sacré paquet parce que j'ai appuyé plein de fois. Ben, comme ça, on en aura plein. T'as, en vrai, je comprendrai jamais. T'es quoi? Les mecs, ils trompent leur meuf. Quand ça va mal dans ton couple, tu t'en parles, mais tu fais pas ça? Non, les gars, c'est plus compliqué que ça. Regarde, moi j'étais avec Ingrid, je l'ai trompé avec Emma, mais ça m'est tombé dessus, mais ça fait pas de moi un connard. Non, toi c'est pas pareil. Bah, et moi, j'ai bien trompé Lucille avec Lucas aussi. Alors j'en suis pas fier, mais si à l'arrivée ça me permet de finir avec Lucas... Mais le truc c'est que quand tu rencontres quelqu'un, tu sais pas ce qui va te tomber dessus. Tu vois, tu peux pas contrôler et du coup ça paraît toujours un peu fou, un peu nouveau, mais... Si tu vas voir ailleurs, c'est que ça va mal dans ton couple et là il vaut mieux en parler. Non mais en vrai, aujourd'hui l'être humain il est jamais satisfait. Il se demande toujours s'il peut trouver mieux ailleurs, etc. Enfin, surtout aujourd'hui. C'est sûr que ton papy, il avait pas 36 000 choix. Hein. C'était Jeannette ou la chèvre. Non, ça c'est bien. C'est drôle. C'est... Ou une vache, frère. Ou une vache. Et allez, c'est plus... You can be my...